les amis, c'est JeuxSupercars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de présentation d'un abonné, et pas n'importe quel abonné aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais vous parler du lieu où je suis là pour commencer ma vidéo. On est tout simplement dans le nouveau local de Marcel Bagnol, mon partenaire, qui fait donc du lavage auto, du detailing, du covering. Bref, il prendra soin de vos voitures. Je vais vous montrer ça rapidement. La caméra, on va mettre le grand angle. Donc là, je me situe dans son local qui est encore en travaux. Ils vont bientôt ouvrir. Là, on a une petite mezzanine qui va accueillir le public. Il y aura un coin télé, un coin salon qui va être hyper sympa, hyper accueillant, ça va faire plaisir. Toute cette partie-là, ça va être donc la partie là où ils vont s'occuper donc du lavage des voitures, du covering. Bon, il y aura des posters, il y aura de la déco un peu partout. Pour le moment, ce n'est pas fini. Là, il y a une partie de leur stock, car ils vendent également des produits pour entretenir votre voiture. C'est-à-dire que juste en dessous de la mezzanine, il y aura la partie boutique où vous pourrez acheter directement vos produits pour laver vous-même vos voitures. Et j'oublie une chose. Donc là, c'est l'espace covering, entre guillemets. Et la station de lavage se situe juste ici, voilà, juste en dessous de moi, là où vos voitures vont se faire bichonner. Là, c'est l'entrée, voilà. Et pour vous situer un petit peu en termes d'endroit, nous sommes pas loin du centre Porsche Lorraine à Léménil. Voilà, bon, je vous montre rapidement la vue de l'extérieur. Voilà, c'est une zone qui est en travaux, donc les locaux sont tout neufs. Donc là, on est près du centre Porsche Lorraine. Je vous mettrai toutes les infos dans la description. Aujourd'hui, nous allons accueillir un YouTuber qui s'appelle Laurent Schmitt, que je connais depuis très longtemps, mais on n'a jamais fait de vidéo encore ensemble. Donc ça va être l'occasion de présenter sa Porsche Cayman GTS. Vous allez voir, elle est plutôt sympa. En plus, ce ne sont pas les toutes dernières Cayman GTS, ce sont les avant-dernières, donc celles qui font encore un bon son, parce que les nouvelles avec les turbos, elles font forcément un peu moins de bruit, mais celles-là, vous allez voir, elles chantent plutôt bien. Donc là, je suis dans le local, on l'attend tranquillement, et dès qu'il arrive, je vous le présente et c'est parti pour un essai avec sa Porsche Cayman GTS. Laurent Schmitt quand même, il est très bon, je vous parlerai de lui juste après. Et voilà, la petite Cayman, elle arrive, Laurent Schmitt. Voilà, quand je vous dis que ça sonne. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Donc le mec, il vient, il me pète les oreilles direct. Il a pas le temps. Écoute, il y a un environnement qui résonne. Moi, je peux pas résister. Voilà, comment vas-tu? Ça va? Très bien. Content de te voir. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Avec les confinements, du coup, pas de rassemblement, rien du tout. Ouais, tu nous as tout annulé. Ça va pas du tout. Bah, j'ai pas le choix. J'imagine. Je préfère annuler que tuer tout le monde, tu vois. C'est sûr. Ça, c'est compliqué. Bon, bah écoute, on a l'air chaud. On enchaîne directement comme ça. Ah bah moi, ça me va tout à fait. Eh bah c'est parti. Alors, je vous présente Laurent Schmitt, des cuisines Schmitt, bien sûr, la blague que personne n'a dû te faire. Mais jamais, jamais. Jamais, voilà. J'innove au niveau blague. Merci pour les innovations. Donc voilà, donc. Très très bon youtubeur, il va nous parler un petit peu de sa chaîne YouTube. On va commencer par là d'ailleurs, parce que bon, ça fait un petit moment que tu es sur YouTube. Je t'ai suivi, tu n'avais pas beaucoup d'abonnés. Bah, écoute, je suis venu à ton rassemblement, je crois que j'avais même pas 100 abonnés. Mais c'est ça, et maintenant, tu peux rajouter 3-0 derrière facile, c'est ça? Bah, là, je suis à 153 000, ouais. Putain, félicitations, ouais. Mec. Hein. Bah, merci, merci. C'est ouf, hein. Bah, franchement, c'est ouf. Hein. Bah, moi, j'y croyais pas, hein. Vraiment. C'est arrivé sans que je me rende compte, en fait. C'est carrément ouf. Donc, après, voilà. Donc, explique-nous un petit peu ce que tu fais. Bon, je sais, bon, moi, je sais tout, mais vas-y, explique. Moi, à la base, je suis designer. Je suis designer transport, donc je dessine toutes sortes de véhicules. C'est ça. Et j'avais commencé un petit peu sur YouTube avec ça. Donc, j'avais fait quelques Photoshop, j'avais fait des choses où je modifiais des voitures, je créais des trucs qui n'existaient pas. Et puis, en 2018, j'ai tenté autre chose et j'ai tenté de raconter à YouTube des histoires sur les marques automobiles. Exactement. Et ça a marché. Ça a plus que bien marché parce qu'en plus tu présentes très bien, tu parles très bien. Et moi je regarde de temps en temps tes vidéos aussi. Bon, pas tous, excuse-moi parce que j'ai pas le temps de regarder tout le monde. Non, mais elles sont pas toutes intéressantes, hein, clairement. La plupart sont quand même des sujets très intéressants. J'essaye de choisir les choses intéressantes, mais ça peut pas intéresser tout le monde. Par exemple, je fais les vidéos sur les voitures de film. Ouais. En gros, si t'as pas vu le film, c'est moins intéressant. Oui. Bon, après, j'ai vu que t'as fait les vidéos. Tout ce que t'as parlé de Fast and Furious et tout, bon, ça, j'ai regardé. Parce que forcément, tout le monde a plus ou moins la référence. Quand on connaît un petit peu l'automobile, bah, forcément, on connaît.
au moins les films. Exactement. Même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on connaît forcément les Fast and Furious. Donc ouais, et puis t'as pas fait que ça avant, t'as aussi fait pas mal de Photoshop qui ont plutôt bien marché aussi. Oui, tout à fait. Bah, j'avais fait la Chiron Drift Missile, yes, qui avait beaucoup marché. J'avais fait la Dacia haut de gamme, la Dacia Logan haut de gamme, qui avait fait le tour de pas mal de sites. C'est ça. D'ailleurs, Cara Dizziak, vous m'avez pas cité. Bah alors là, voilà, petite vengeance, c'est gratuit. Non, franchement, t'as été bête. T'as même fait le DS de Macron, je sais pas quoi, t'avais pas fait un truc là-dessus. Oui, là en fait, c'était la Chiron. En fait, j'avais mis Macron dans une Chiron. Dans une Chiron. En gros, j'avais remplacé le DS7 présidentiel. Ouais, c'est ça. J'avais remplacé le DS7 présidentiel et ça avait fait pas mal le tour de certains sites. Il y a même certains sites étrangers qui ont cru. Qui ont cru. Et qui ça, se sont ça, dit, ça, wow, quand t'es bon en Photoshop, tu peux faire pour n'importe quoi. C'était assez clairement drôle. Alors physiquement c'était même pas possible, oui, parce que du coup il aurait fallu déjà une Chiron avec un toit ouvrant, ce qui n'existe pas. T'as le Skyview, mais il faut enlever le Skyview. Et à l'époque elle n'existait pas en Skyview, mais par contre il y a pas mal de sites asiatiques notamment qui y ont cru, ouais, et ils étaient à fond dedans, quoi. C'était assez drôle. Genre, ouais, Chiron, il roule un BKT, le président, comme ça. Très bonne imitation. Je me suis engueulé par certains aussi en disant, ouais, tu devrais pas faire de politique sur ta chaîne et tout. Alors, c'est pas du tout politique. Il n'y a pas du tout de politique, en fait. C'est le président de la France, c'est français. T'as voulu faire un montage comique sur lui. Enfin, c'est même pas négatif ni positif par rapport au président. C'est vraiment par rapport à l'automobile, en fait, c'est tout. Donc, après, tu sais, Internet, il y a toujours des commentaires. J'imagine que tu le sais. Je le sais vraiment, parce que dernièrement, j'ai fait une vidéo. Assez touchante avec un enfant qui était malade, donc il perd la vue, donc je lui ai fait un baptême en voiture. Et t'as quand même des connards en commentaire qui disent « Ouais, vous roulez n'importe comment, machin. » Alors, on a roulé tranquillement. Elle dit « Ouais, pourquoi il est... Parce que lui, il est malade, il a le droit à faire un tour. » Je lui ai dit « Mais ta gueule. » Ouais, excuse-moi l'expression, mais ta gueule, quoi. Les mecs qui mettent des pouces rouges pour rien alors que la vidéo n'a pas commencé aussi, ceux-là, on peut leur faire une petite dédicace au passage. Petit coucou à tous ceux-là, ouais. Voilà, petit coucou, on en a tous. Le mec a pas commencé, pouce rouge, mais il va regarder jusqu'au bout quand même, tu vois. C'est ça. Puis après, quand il va te parler sur Instagram, ouais, continue tes vidéos, machin, chouette. C'est ça. Ou alors, il y a les mecs, c'est génial, ils te mettent un commentaire négatif sur une vidéo. C'est ça. Et puis, genre, tu te rends compte que 2 heures après, ils t'ont mis un commentaire sur toutes tes vidéos. Tu te dis, mais si t'aimes pas, au pire, va voir ailleurs. Va voir ailleurs, c'est ça, voilà. Si t'aimes pas, va voir ailleurs. Bon, on a assez parlé de toi quand même. Allez. Ce que je propose, je vais couper 2 secondes. On va allumer toute cette petite lumière et on va parler de la petite quand même. Hein, parce que bon, elle est là, autant en parler, autant quoi. En parler, ouais. Allez, on allume les lumières et on revient. Bon, Laurent, parle-nous de ta fameuse Cayman GTS. Cayman GTS, elle est de 2014. C'est un flat 6, 3 litres 4 de 340 chevaux. 600 chevaux, j'allais dire. En fait, le mec, il va où là? En fait, je pensais encore à la Turbo S. Ouais, qu'on parlait juste avant. En fait, je vais expliquer que la voiture est très sale parce que le week-end dernier, j'ai été faire un tour avec un pote qui a une 992 Turbo S. La toute dernière. On lui a prêté une 992 Turbo S. Il y a les photos sur mon Instagram d'ailleurs, allez suivre. Hop, petite pub gratuite comme ça, là, ça passe à bim bim, allez. Et du coup, je vais expliquer que c'est pour ça qu'elle était crade, c'est parce que j'ai fait pas mal de bornes avec. Et j'ai pas eu le temps de la laver, donc je suis désolé si elle est sale. C'est un détail. Donc ce que je disais, 3 litres 4, flat 6. 340 chevaux, donc ça marche plutôt correctement. Mm-hmm. C'est encore le flat 6, donc on n'est pas sur une 718. Oui. 718 qui a le flat 4 turbo. Turbo qui. Donc c'est pour ça que celle-ci, elle sonne aussi bien. Exactement, c'est ce que j'allais dire par rapport à la nouvelle avec le turbo. C'est la grosse différence. Certes, elle pousse énormément plus, elle marche très bien, elle marche mieux que la GTS là, mais la sonorité est absente. Absente, clairement, on peut le dire. Je suis vraiment pas un pilote. Donc la sonorité, c'est super très important. Exactement. C'est-à-dire que quand je downshift, j'ai envie que ça pétarade, j'ai envie qu'il y ait du bruit. C'est pour ça que j'ai autant apprécié la Lamborghini Huracan, ouais. Parce qu'il y a du bruit. Il y a quoi. Du bruit, c'est ça. Alors que dans une 718, bah, c'est un peu mou du genou. Quoi. Bah, c'est clairement mou du genou, de toute façon, au niveau de la sonorité. Ça fait un aspirateur et c'est un peu dommage. Ça sonne un peu comme une Subaru en fait. J'ai envie de comparer ça. Ouais. Il y a un côté un peu Subaru. Il y a un côté un peu Subaru. Bah, quand t'achètes une Porsche, t'as pas envie d'entendre ça sonne comme Subaru. Bah voilà. T'as tout dit. Niveau option, il y a quoi là-dessus de particulier? Alors moi, ce que j'adore, c'est les sièges. Je peux te montrer les sièges si tu veux. Allons-y. Moi, c'était le coup de cœur. C'est quand j'ai vu les sièges de celle-ci, je me suis dit c'est obligatoire. Je suis obligé de la prendre. C'est des sièges baquets full carbone. D'accord. Ah ouais. Donc ils sont vraiment très jolis. Tu peux voir la coque en carbone à l'arrière qui est ça, superbe. C'est magnifique. Et ça, c'était mon coup de cœur. Sinon, comme c'est une GTS, il y a énormément d'Alcantara. Ouais, c'est ce que je vois. Beaucoup d'Alcantara, même le ciel de toit est en Alcantara, donc c'est assez ouf. Et tout ce qui n'est pas en Alcantara, c'est en cuir.
C'est-à-dire qu'on a le cuir étendu. Sur, ça, tu l'as pas sur toutes les caïmans, en fait. D'accord. C'est un caïman de base, entre guillemets. Ouais. Ici, tu as du plastique. Sur le tableau de bord, tu as du plastique. Ce qui est dommage. Donc ça, c'est, oui, c'est l'option cuir étendu. Ouais, bah, c'est pas mal du tout. Quoi. Elle fait finie, entre guillemets. Ah, bah, elle est bien finie, c'est sûr. C'est elle fait très bien finie. Mais c'est vrai que les sièges, on va revenir dessus. Les sièges sont magnifiques. Ils sont absolument magnifiques. Hein. Ils sont très, très beaux avec le petit GTS, là. Ouais, en brodé dans le... En brodé, c'est magnifique. Maintenant, franchement... Sinon, sur l'extérieur, tu remarqueras qu'il n'y a aucun chrome. Exactement. On est sur des jantes noires, tour des vitres en noir. Exactement. On a même tout ce qui est logo en noir. Ouais, écriture là. Et tout ça, c'est entièrement d'origine. Hein. C'est, j'ai pas fait repeindre. Oui, c'est le pack black ou je sais pas quoi qui doit appeler ça comme ça. C'est le pack de la GTS qui est comme ça. D'accord, c'est ok. Vraiment la GTS. Donc GTS, ah oui, GTS, pas de chrome de toute façon. Exactement. Et pareil, t'as les feux qui sont spécifiques à la GTS. Ouais. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Ils sont un peu plus... Il y a du noir au milieu, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, toute cette partie-là est en clair, ouais, alors que ça. Normalement, elle est rouge. D'accord. Bah, c'est même plus la GT4 ne bénéficie pas de ces feux. C'est vraiment spécifique à la GTS. C'est ce que j'ai remarqué la dernière fois. Je me suis dit, sur la GT4, c'est dommage que les feux soient... Il y en a beaucoup qui les font changer. Ouais. Hein, je pense. Oui, il y en a parce beaucoup que... qui achètent ça chez Porsche. Et qui, mais ça fait la différence pour moi, les feux comme ça. Tu vois, ces petits détails comme ça, exactement. J'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'adore. Parle-nous de... Pas de ta plaque, mais de ça. Alors ça, c'est le système d'échappement Porsche, donc c'est le PSE. Ouais. C'est un échappement à valve et c'est entièrement d'origine. Elle sonne comme ça d'origine, j'ai rien changé. Donc, c'est ouf, hein. Ouais, c'est sur quand t'es arrivé, comment elle a pétaradé, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas d'origine, quoi. Mais en fait, si. En gros, à chaque fois que les gens m'arrêtent, c'est pour me demander si l'échappement est d'origine. C'est fou, hein. C'est parce que c'est n'importe quoi. Et c'est en fait, j'ai l'impression qu'elle sonne même mieux qu'une 911 avec le PSE. C'est-à-dire que quand t'as une 911 avec le PSE, j'ai l'impression qu'elle sonne pas autant. C'est peut-être une impression, hein. Mais ouais. C'est ouf. Mais non, franchement, la sonorité est ouf. On va pouvoir l'écouter, de toute façon. On va faire quelques prises de vue. Parce que là, on parle beaucoup, beaucoup. Mais après, on va sortir de ce garage, aller sur les petites routes sympas. Il fait beau, ça serait il dommage fait beau. Autant en profiter, comme ça, on vous fera entendre la sonorité de l'extérieur et également de l'intérieur. Parce que bon, de l'intérieur, ça doit être plutôt sympa aussi. Hein. Tout à fait, ouais. Je pense pas que c'est trop insonorisé, ça va, c'est juste non, au milieu. Va, franchement, ça va. Ça va. Et quand tu ouvres les fenêtres, tu te rends compte que c'est vraiment violent pour les gens qui sont à l'extérieur. Ouais, ouais. Mais c'est ça qui est bien. Ouais, tout à fait. Ah, ouais, bah, quand t'as ça, quand t'achètes une Porsche avec ces trois lettres-là, GTS, t'es pas là pour être discret. C'est pas un diesel, quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour être discret, on n'est pas là pour la sobriété. Clairement. Parce que pour le coup, même dans les autres Porsche, dans les Cayenne, etc., les GTS ont toujours fait plus de bruit. Voilà. Le turbo a toujours fait moins de bruit, forcément, même s'il pousse plus. Mais GTS, sportivité. Voilà, c'est tout. Tout est dit, voilà, GTS, sportivité. De toute façon, ça veut dire grand tourisme sport, enfin, grand tourisme ouais, sport, fait, ouais. Exactement. Donc tout est dit. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on sorte le véhicule du garage. Ça me va tout à fait. Je vais quand même filmer le démarrage à l'intérieur parce qu'on a une bonne caisse de résonance. Ouais, c'est agréable. Autant en profiter et ensuite, on va aller voir sur les petites routes ce que ça donne. C'est quoi, je me place bien derrière. Hop. Et écoutez ça. Déjà au démarrage, c'est propre. Ouais, valve fermée là. Il ouvre les valves. Hop. Ouais. Ouais. Il y a une légère différence qui est notable. Ouais, c'est discret, ça va. Bon allez, du coup, on sort la Porsche à l'extérieur. La caméra scintille un petit peu parce qu'il y a des éclairages LED. Excusez-moi pour ce petit détail car aujourd'hui je filme tout avec mon téléphone. On va pouvoir la voir au soleil également, ça va être super sympa. C'est quand même très agressif. Hein. Allez, c'est parti, on se retrouve à l'intérieur de la Cayman. Alors, les sièges sont beaux, mais ils sont aussi confortables, hein, on peut écoute, dire. Hein. Moi, j'ai déjà fait pas mal de bornes avec, hein. J'ai traversé la France de part en part. J'étais à Nantes avec, j'étais à Montpellier. Ça pose absolument aucun problème. Puis ils ont l'air d'être bien... T'es bien maintenu, je pense, là-dedans. Ah ouais, t'es maintenu, y a pas de problème, ça. Voilà, donc les boutons les plus importants. Le plus important, il est là. Hein. Les valves sont tout ouvertes. On n'est pas là pour vous faire écouter le caïman avec les valves fermées. Oh, au passage du rapport déjà. Ouais,
C'est tellement agréable, c'est de la folie quoi. C'est vraiment de la folie. Alors les personnes. Il n'y a personne, c'est parti. Ouais, c'est beau quand même. Ouais, ça sonne bien. Ça sonne quasiment autant qu'une Cayman GT4 hein, au final. On doit pas être très loin en réalité. Franchement. Et puis t'as, à chaque fois t'as ces retours quoi. C'est vraiment. Moi j'adore ça. Ouais. Puis on a un magnifique temps aujourd'hui. C'est vrai que le temps est superbe. Ah franchement. Ça donne envie de rouler en cabriolet en fait. Ouais bah du coup faut que t'achètes une Boxster. Ouais, je prends une Boxster. Mais la Boxster en GTS, elle, en GTS elle est très jolie et du coup la sonorité t'en profite sûrement encore plus en cabriolet. Ça doit être vraiment, vraiment le top. Ça, c'est un cycliste que j'aime bien, tu vois. Voilà, lui, il va pas sur la route. C'est un cycliste qui est hors de la route. Bravo, monsieur! Après, on vous fera écouter un peu les pétarades. Bon, voilà. Ouais, tu downshift et tout voilà. De suite. Et encore, on a les vitres fermées. Tout à l'heure, on ouvrira les fenêtres, ça les va. Mais c'est bien que cette voiture, c'est que tu peux même t'autoriser à t'amuser sans même vraiment dépasser les limites de vitesse. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est pas non plus. Là, on est bloqué derrière un concombre, on s'amuse quand même. Mais clairement, tu vois, avec la sonorité, ça fait plaisir, tu ouais, vois. Voilà. Tu passes ton rapport, tu rétrogrades et rien que ça, tu te dis, ouais, ok, c'est kiffant. Tu passes pour un gros débile parce que c'est vraiment ridicule de faire ça. Clairement. Mais c'est amusant, quoi. T'es là, t'es. Tu voilà. Passes la 2, t'es content. Là, franchement, c'est. Agréablement surpris, tu vois. J'avais jamais fait de Cayman GTS. Autant, bon, j'ai fait d'autres Cayman GT4, pas encore non plus, mais Cayman GTS, tu vois, agréablement surpris. J'ai fait la nouvelle Cayman, et bah, pour le coup, la sonorité est absente. Alors, vu qu'on est dans un village, on va ouvrir un peu les fenêtres pour faire entendre les pétarades. Regarde, on dépasse pas les limitations et on se fait plaisir. Avec le petit muret là, ça a bien résonné. Ouais, ouais. C'est clairement kiffant. Ouais, c'est ouf. Ouais, franchement, pour de l'origine, c'est quand même. C'est n'importe quoi pour une ligne d'origine. Et je trouve que c'est le juste milieu, tu vois, tu fais pas peur aux gens. C'est ça. Mais tu te fais plaisir. J'ai connu d'autres voitures qui font énormément, beaucoup plus de pétarades, à la limite du trop, entre guillemets. Tout à fait. Notamment la M2 Shiftech que j'ai essayé, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Mais là, tu vois, c'est agréable. Là, je sais pas où on va, mais je crois qu'on va faire demi-tour. On va faire demi-tour. Voilà, la route est finie, il n'y a plus de route. Il n'y a plus rien. Bon, là, pour le coup, on s'est mis en mode civilisé, donc il n'y a plus rien d'ouvert. Histoire de ne pas faire chier les gens deux fois, on va repasser dans le village tranquillement. Et là, toute valve fermée, la voiture ne fait pas un bruit. Quoi. Exactement. Ah, par contre, elle est quand même encore visible. Elle intéresse les gens là-bas. Salut. On fait la course. Donc
Même avec une Cayman, là, les gens se disent, ah, une belle voiture. Hein. On n'avait pas dit à 2 secondes que vous n'étiez pas chez le monde. Ouais, mais là, c'était pour faire, plaisir aux enfants. Voilà, c'est ça. C'est ça, le but, c'est de... Que là, voilà, on... Voilà, là, il a tout désactivé. Enfin, tout. Ouais, j'ai reconnecté en mode normal. Mode normal coup, et. Je l'ai même remise en full automatique. Je passe même plus mes rapports. C'est vraiment. Donc pour les pépères. C'est une voiture de tous les jours. C'est très agréable aussi. Hein. Enfin, c'est. Enfin, ouais. En gros, elle est complètement utilisable au quotidien. Exactement. Quand on en a marre de faire un peu de bruit, quand ta copine a un peu mal à la tête, on dit bon, écoute, chérie, allez, c'est bon, je ferme les clapets, on roule tranquille. Et quand elle dort, tu rouvres tout et tu y vas. Exactement. Exactement. Bah écoute, moi je te propose qu'on se mette sur le côté et je vais te filer le volant et tu vas me dire ce que t'en penses. Ah bah je vais pas refuser. Allez, on va faire ça. Avec grand grand plaisir. Bon bah c'est parti. Hein. Je suis ici, je vais passer ici. Ouh, on est en quoi là? C'est bon. Ouais, là t'es en drive, tu peux la foutre en sport. Ouais, ça s'entend tout de suite. Hein. C'est mieux. Eh ben c'est parti. Hein. Allez. Qu'est-ce que ça donne? Elle te fera pas chier quoi. Chier, ouais, c'est bien. Comme ça, le pétarade, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est pour ça que j'aime tout le temps manuellement. Hein. C'est parce que tu peux vraiment. Attends, elle hurle, partir. Elle sonne pas tellement bien, 7 quoi. 000 tours minutes, c'est ouf. Hein. Peur à la dame. Je suis désolé. Oh. Ouais, un petit papier, on va pas te faire peur. C'était vous, vous êtes où? On va partir par là. Tu me descends, ça peut bien péter la radio aussi. C'est pas possible, mais quel gamin! Je suis un gros gamin! T'es vraiment un gamin, c'est pas possible! Moi, dès que ça pétarade, j'adore, tu vois, c'est suffisant! Je suis assez d'accord! Ça sert à rien de rouler sur circuit! Non, je rigole, mais je vais me faire insulter si je dis ça! Clairement! Bah, tu vas te faire insulter quoi qu'il arrive! Hein. Quoi que tu dises! D'ailleurs, le mec qui va commenter et qui dit ouais, vous êtes passé par mon village! Coucou! C'est ça, les pétarades, ça sert à rien! Mais viens! Envoie-moi un message privé, je te fais monter, on peut conduire, et tu me diras si ça sert à rien! Y'a rien besoin de plus hein. Petit village.
Ouais, y a le petit rêve match qui vient de faire vraiment plaisir. Des belles choses là-bas. On va aller checker ce qu'ils ont sur le parking. Eh, là on arrive au niveau du centre Porsche Lorraine. C'est ça, bah c'est là que je vais entretenir ma voiture. Ils te connaissent alors. Ah, clairement, ouais. Alors on prévient qu'on arrive. Ah, je pense qu'on n'est pas les seuls à prévenir qu'on arrive de cette façon, tu vois. Quand tu vois les trucs qu'ils ont sur le parking là. Ah, il y a du beau, hein. Il y a des belles choses, ouais. Bah, c'est bon, on va faire un petit tour de parking juste pour checker ce qu'ils ont. En mode sale pétarade en plus. Ah là, c'est le côté qui est moins intéressant. Ouais, c'est le côté Cayenne, tout ça, c'est pas top. Petite 991. Alors, il y a une très belle, très belle configuration là sur cette 718 Spider. Pas spécialement fan des jantes. C'est juste une Boxster, ça, par contre. J'ai dit quoi? T'as dit Spider. Tu vas te faire engueuler dans les commentaires. Oh, putain, excusez-moi, Boxster. Oh là là. Excusez-moi. Et puis là, t'as des petites configs très discrètes, quoi. Le choc des générations, là, par contre, tu vois le Cayman. Clairement. J'aime beaucoup les Panamera. Ah, par contre, en parlant de Spider, ils en ont une dans la dans le showroom. C'est pour ça que j'ai dit ça, parce que je l'ai vu juste avant, tu vois. Ah là 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 là. Sauf que celle-ci, elle est jaune, elle est absolument magnifique. Ouais, la config est superbe. Ça, j'aime bien, tu vois. J'aime bien parce que du coup, on voit le Cayman. On voit les deux. Et le. Ah ouais, c'est excellent, j'adore. Alors, c'est quoi, on se permet d'aller derrière. Oh, il y a un bon petit truc jaune là. Ah oui, c'est la partie car spotting, on va dire. Ah yes. Petit car spotting. Ah là ça, là. Ça, c'est là. Sympa. Ah là, les LED d'allumer d'ailleurs, c'est étrange ça. GT3, 991. C'est beau, hein. Phase 2. Ouais, ça on a ouais. Vu. Ouais, clairement. Ah bah, tiens. Et tu sais que je vais la tester dans pas longtemps celle-là. Eh bah, moi aussi je vais leur demander dans pas longtemps celle-là. Parce que franchement, je suis très curieux de voir ce que à ça donne. À mon avis, ça doit être de la folie ça pure. Doit être de la folie. Vraiment. Aucune sonorité pour le coup. Mais bien sûr. La puissance de l'accélération, bah, c'est un peu comme une Tesla. Ça doit te calmer. Et je pense qu'on est sur quelque chose de beaucoup mieux fini qu'une Tesla. Bien sûr. Parce qu'une Tesla, c'est pas ouf au niveau des finitions. Exactement. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Et même en termes de sportivité, une Tesla, c'est pas fait pour. Non, clairement. Là, ils l'ont conçu comme une Porsche, sauf que c'est une électrique. Tout à fait. Bon, le côté-là est un peu plus tristouné. Hein. On a vraiment. Ouais, en daily, je serais pas contre en rien. Daily, c'est bien. Bon, voilà, on va faire un petit tour de Porsche. Bon. Enfin, je vais me faire engueuler parce que je suis pas venu leur dire bonjour. Ouais, tu repasseras pour la. Ouais, je repasserai tout à l'heure. Pour la Taycan. Bon, écoute, on va retourner sur le parking gentiment, là d'où on vient. Enfin, gentiment. Aussi gentiment que possible, c'est-à-dire pas beaucoup. Vu que c'est ma dernière ligne droite avec. Je suis désolé. Hein. Non. Bon, vu que je suis un gros gamin, je vais rentrer dans le garage pour faire un petit peu de bruit. Ça marche. Parce que je suis un gros gamin. Hop. Bon, vu que je suis un gros gamin, je vais faire un peu de bruit à l'intérieur. On va bien la mettre au fond, tu vois, comme ça va bien résonner. Attends. Vas-y, fais-toi plaisir. Je peux ? Ah,
tout cas, de l'extérieur, c'était un kiff. Hein. Ouais, je confirme. Là, tu vois, t'as la sonorité de l'extérieur, toi, vu de l'extérieur. On a inversé les rôles et... Ouais, on s'en lasse pas, quoi. Vas-y, je sors parce que là, je vais pas arrêter ça. Bon, Laurent, grand merci de m'avoir fait conduire ta Cayman. C'est vraiment un kiff, tu vois. C'est pas la plus puissante des Porsche. C'est sûr. Mais tu vois, la sonorité, elle améliore clairement le plaisir de conduite. Et justement, j'allais te poser une question. Je sais pas si tu as déjà essayé la nouvelle 718. Si tu devrais changer ce véhicule, tu passerais sur une 718 ? Alors non. J'ai essayé la Boxster S et la Cayman S en 718. Ouais. Et c'est, la voiture est géniale sur tous les points. Mais la sonorité, c'est pas du tout ça. Ah. Et pour moi, c'est pas possible. Maintenant, je suis assez pressé de pouvoir essayer les 718 qui sont sortis en 6 cylindres. Oui. Voir si ça améliore les choses. J'ai vu qu'il avait sorti. Je suis pas sûr parce que t'as quand même un FAP. Ouais. Mais avec les nouvelles normes, c'est clairement. C'est ça. Très peu de chance. On verra bien. Ou alors, faut monter une ligne dessus. Il faudra voir. Ah, bah ça, c'est toujours la solution. Là-dessus, t'as l'avantage, t'as rien à monter dessus. Ou alors, si vraiment tu es suicidaire et tu veux faire beaucoup plus de bruit, tu peux y aller. Mais pour moi, c'est déjà largement suffisant. Dernière question à te poser. Un Cayman comme ça sur le marché actuellement, ça vaut combien ? Actuellement, ça vaut 60 000. 60 000 ? Et ça perd pas spécialement de valeur au final. Ça perdra peut-être même pas de valeur, puisqu'entre guillemets, c'est la dernière qui fait du bruit et qui a pas de turbo. Exactement. Hein ? Exactement. Ça fait combien de temps que tu l'as, du coup, cette Cayman ? Moi, ça fait un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, d'accord. Ouais. T'as rien à... Juste un défaut, trouve s'il te plaît juste un défaut. Parce qu'on a dit que du positif, mais trouve un seul défaut. Alors, sur celle-là exactement. Ouais. Alors, pas sur toutes les GTS, mais sur celle-là exactement, elle a pas le régulateur de vitesse. Je trouve que c'est complètement con. Mais elle a pas le régulateur de vitesse. Et quand tu traverses la France, c'est chiant. Donc voilà, si elle avait un seul défaut, ouais, ce serait ça. C'est quoi. Un petit défaut quand même. C'est un défaut. Ah, de merde. Bon, allez. C'est le défaut. Vraiment pour trouver le défaut, quoi. Mais à part ça, elle est vraiment nickel. Je veux dire, au niveau rapport prix-plaisir, c'est extrêmement compliqué de trouver mieux que ça, ouais. Vraiment. Eh ben écoute, je te remercie. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à son compte Instagram. Tout sera dans la description et peut-être même au-dessus de sa tête si ouais, j'ai le temps de bien faire le montage. On va peut-être par là ou par là, on verra bien. Je te remercie. On se reverra de toute façon. Hein, de toute façon, on se revoit pour tes rassemblements, c'est sûr. Etc. Avec grand plaisir. Et puis ciao. À plus tard. Salut. Allez, bye. Donc si vous avez aimé cette vidéo plutôt sympa avec Laurent Schmitt, vous avez vu, c'est une très belle personne, n'hésitez pas à aller le follow. Mettez des pouces bleus, ou si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez aussi mettre des pouces rouges. Mais, nouvelle règle sur ma chaîne YouTube, quand vous mettez un pouce rouge, mettez un commentaire pourquoi vous avez mis un pouce rouge. Ce sera plus intéressant que simplement faire le hater, c'est mettre un pouce rouge. Petite dédicace à tous ceux qui mettent des pouces rouges, notamment en début de vidéo, sans avoir vu la vidéo. Allez, abonnez-vous, ciao. Salut Laurent, rentre bien !